襲名したのは3年前。僕で16代目になるんですけども、楽吉左衛門っていう、その名前を歴代それぞれが襲名していく。これは僕自身の黒茶碗で、ちょうど継ぐ少し前のお茶碗ですね。釜が特殊な釜なんですけども、その釜に一碗だけ入れさせてもらうところから始まって、この釜が歴代が一番入れて一番引き出す、その特殊な楽家の釜ですね。ここで茶碗が生まれてきた。僕自身は焼き物であったり、やっぱ釜っていうのがすごく好きで、一個の茶碗を焼くのにとてつもないエネルギーが、炎とかがブワーって天井まで上がるので、そのエネルギーの凄さにやっぱ心を奪われたっていうところがありますね。そこがあるからこそ僕自身がこの道に進もうというか、決心がついたというか、覚悟ができたというか。自分自身の作品、新たな作品を生み出すっていう考え方と、楽家の当代としてお家元の茶碗師としても歩まなければいけなくて、職人っていう属性もあるし、作家という属性もあるし、その中で、あ、これは16代の茶碗ねってこう言ってもらえるような、やっぱりオリジナルな茶碗、そのどこをどう突き抜けるかっていうところは、やっぱりそれぞれの代が戦ってきたところなので、だから僕自身のいわゆるある意味生涯の壁かなと思っていて、その壁をこう打破したいっていうのは常にあって、旅っていうのは新たにやっぱりいろんなものを吸収できる、それが次の自分が歩むべき一歩になることはあるとも思っていて、その中で新たな、あ、こんな作品今まで見たことないっていうものを今挑戦、そこにも挑戦しようっていう思いですね。やっぱ旅の中でその時間っていうのをやっぱり感じる、長い時間の中でその土地に暮らす人々と紡がれてきた時間があって、その中に自分自身が飛び込んでみて、まあ、浸るというか、僕自身があまりブランド物に興味をあまり抱いていなくて、どちらかというと楽茶碗というのが装飾性を削いでいったりするので、400年前利休さんの下で初代が作品作って、そこから歴史が始まって、エルメスの歴史もやはり馬の鞍というところに原点があって、フランスの歴史の中でまた培われて、そこに携わっておられる職人の方やいろんな方がどのようにそれを紡いで、その人がどういう思いでこうまっすぐ歩んではるのかっていう、きっとそれぞれに思いがあるので、そこを感じたいなっていう。
Bonjour. Hi, nice to meet you. I'm Raku. Je suis Jérôme Giboire, enchanté. Bienvenue chez Hermès, au 24 Faubourg Saint-Honoré. Cinquième étage. Alors, yeah. C'est par ici que ça se passe. Waouh. Oh. Oh, c'est goy. Voici, voici mon antre. Oh, this is your room? Yes. Waouh. Salal workshop. Donc voilà un peu où je travaille. Ça fait 23 ans que je travaille chez Hermès et ça fait 20 ans que je travaille à l'atelier Sel. C'est l'atelier Sel, c'est l'atelier le plus vieux de chez Hermès. C'est le plus vieux métier, c'est ici que tout a commencé quoi. そうですよね。エルメスのルーツであるバグ、そこからいろんなことが始まって。で、基本的には受注されてその馬に合うように作っていくっていうことですか。C'est pour ça qu'il est primordial d'essayer la selle avant de l'acheter. Sinon, on risque de blesser votre cheval ou de se blesser soi-même, quoi. Là, c'est pas la bonne taille, mais le gabarit doit reposer sur la toile parfaitement. Parce qu'un client, lorsqu'il va essayer une selle, il faut absolument qu'il retrouve la selle une fois qu'on lui a fabriqué, il faut qu'il retrouve les mêmes sensations quoi, que la selle d'essai. On a des peaux où il faut vraiment se battre pour arriver au résultat que l'on veut. Et d'autres, ça va être très facile. Mais ça, c'est comme ça. C'est du cuir, c'est de la matière vivante. Quoi. J'ai mon travail de son tsuchi. っていうのは買ってきた土ではなくて実際に、まあ、自然に粘土になったものを使ってるんですけど土それぞれに個性があるのでその土と、まあ、どう対話するかその個性を自分自身でこう掴み取るっていうのがそのジェロームさんのその革をそれぞれその個性があって試行錯誤されてるのと少し共通するなっていう気持ちで今聞いてました。Ah, ici, c'est l'atelier, l'atelier formation. Bonjour. Moi, j'ai 4 ans et demi. La formation va varier en fonction des personnes. Il va falloir en moyenne 6 mois pour apprendre 2 modèles. Donc ensuite, pour qu'elle soit autonome au niveau du temps et au niveau de la qualité, ça va pouvoir prendre beaucoup plus de temps. Ça varie en fonction de la personne, mais en général, pour qu'elle soit autonome sur toutes les selles, il va falloir en moyenne 2 ans, quoi. La première chose qu'on va rechercher, ça va être la qualité. Ensuite, le temps, on viendra avec le temps. Il y a beaucoup de bruit. Donc voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure, toutes les selles portent un numéro. Et sur ce numéro, c'est la plaque d'immatriculation. Donc lorsqu'une selle revient au SAV, moi je vais consulter le numéro. Ainsi, je saurai qui l'a fabriqué, pour quel client, ce que c'est comme celle de promenade, tu vois, celle de saut, celle de concours. Et tu vois. Il arrive aussi parfois que qu'on fasse des selles qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Hein, ce sont des selles que nous avons faites pour les vitrines du Faubourg Saint-Honoré. Donc ça, c'est du veau imprimé léopard. Ah, c'est un print, non ?
Ce genre de pièce est réalisé par des celliers qui ont déjà quelques années de métier. 実際こういったその特注中の特注であったり、そういったものとその実際の馬に乗られるためのバグというか、やっぱ違ったり、ジェロムさんの中で違いっていうのはあったりしますか？ Lorsque l'on travaille sur des matériaux comme ceci, ça met une certaine pression.On doit apporter beaucoup de soins sur notre place. C'est aussi très gratifiant de faire ce genre de... Parce que c'est une confiance qu'on donne à l'artisan. Mais lorsque je travaille pour un cavalier, pour un grand cavalier classé, lorsque celui-ci remporte des compétitions, c'est aussi très gratifiant. C'est...peut-être même plus pour moi, pour ma part. Moi, 自身もやっぱり茶碗って使うものなので、使うっていう馬に乗るで、馬にも優しい、人にも優しいで、そこで最高のものっていう、やっぱ茶碗もそうで、やっぱり茶室の中で使って亭主と客それぞれがいろんな思いがその茶碗の中でこう生まれれば、やっぱり僕自身も嬉しくて、やっぱり原点である茶を飲む器として、そこの中で僕自身は作刀を戦っていて、うん。C'est une étape que au début, lorsque j'ai commencé mon métier, j'aimais pas du tout. なんで嫌いだったんですか？ C'est difficile.Je crois qu'aujourd'hui, c'est celle que je préfère. 仕事は違えど熱量がある方との出会いっていうのは、やっぱり僕自身のその肉好きとなって、やっぱりそれがいつしかその茶碗のやっぱりまた大きさになっていくと思うんですよね。はじめまして、ラクです。はい、ロマン、アンシャンテ。今日はよろしくお願いいたします。マッシュ。オンバー、ビエンヌーアラピラミッド。ピラミッドって呼ばれてるんですね。なんでピラミッドって言われてるんですか？パスケセアンフォームドピラミッドアンヴェア、ウェイセアンプティプメアアヴェクデエタジュ。ドクバジュヴェイオンバーレダンモンアトリエ。アトリエ。アトリエマル。Merci. Puis on est à peu près quoi, de 300 dans toute la pyramide. En fait, il va y avoir en face, c'est la petite maroquinerie. Donc ça va être des choses très petites, portefeuille, porte-carte, petit sac, la ceinture aussi. Voilà, il y a aussi le sac voyage qui font des sacs pour le voyage, plus petits que ceux d'ici, mais...Pour leur spécificité aussi. En fait, certains ateliers ont des modèles que nous, on n'a pas, et vice-versa. Hop. Puis voilà, bienvenue chez moi. Alors, je vais te montrer du coup ça. Puis moi, ça fait à peu près 15 ans que je travaille ici. Donc,これは今からこの金具がついていく工程ですか？ Alors oui, en fait, quand on coupe le clou, on laisse de la matière dépasser un petit peu. Et en venant perler, alors, avec un perloir, qui est un petit peu arrondi, voilà, la matière qui dépasse du clou, en fait, on vient la tapoter, voilà.
et l'arrondir. Et en fait, ça, voilà, ça sertit la bijouterie, donc la plaque. Voilà. Ça sertit la plaque sur le cuir. En fait, on va rifter la plaque sur le cuir tout en faisant une perle, donc quelque chose de joli et pas... voilà, c'est plutôt pratique, c'est très beau. C'est là qu'il faut faire attention et pas déraper effectivement sur la plaque. Voilà. Puis elle est belle celle-là. Puis voilà, on va passer à la couture peut-être. その2本の針を持って縫うっていうこの手法っていうのは特殊な縫い方なんですか？Cudrer avec deux aiguilles, oui, c'est la couture sellière. En fait, c'est comment dire, ça, c'est pour coudre à la main par rapport à une couture machine où il va y avoir aussi deux fils mais qui ne se croisent pas. Là, en fait, si on coupe ici, si on coupe le fil, si le point saute ici, ça va pas se découdre. Du coup, c'est une couture très solide. C'est des coutures de force, on appelle ça. C'est des coutures très solides, comme on a sur les poignets. On peut tirer dessus, ça ne bougera pas. Du coup, yappari, sono Hermès no genten de maru sono bagu zukuri de tsukawarete ta yappari soko kara kite iru gihō datta ri suru desu ka? Oui, c'est ça. En fait, la sellerie, c'est beaucoup de couture main aux endroits, comment dire, aux endroits stratégiques pour la force, pour pas que ça casse. Du coup, effectivement, nous, la couture main qu'eux font en sellerie, nous, on l'a fait sur les sacs aussi. Et je vois pas une couture main autre serait beaucoup plus fragile, en fait, sur les sacs. C'est vrai que la couture, il y a beaucoup de sensations au niveau des doigts. Pour pas se piquer là à travers, bien maintenir le cuir sur le côté, savoir bien enfoncer son haleine pour après effectivement viser avec l'aiguille de l'autre côté, croiser. Donc beaucoup de sensations dans les doigts et aussi dans les bras et dans les mains. Au niveau du serrage, sentir que le fil vient écraser la matière, mais comment dire, pas non plus la percer. Un peu, j'allais dire, un petit peu comme peut-être la terre quand tu modèles, quand tu modèles la terre, les bols, avoir une sensation d'appuyer assez, mais pas trop fort et pas trop faible, ça peut être la même chose qu'au serrage du fil, à peu près, au niveau de la compression que le fil pourrait exercer sur le cuir. そうですね、本当に感覚で慣れて厚みであるとか重さであるとか本当に手と感覚で覚えていくしかないですね。それも本当に同じですね。なので失敗を繰り返しながらその上にやっぱりいいものが生まれるっていう。C'est en voilà, c'est ça. C'est en loupant qu'on apprend. 失敗がすごい財産になってます。Moi, je suis là. Yeah.
C'est bien. で先ほどあのいろいろとありがとうございました。Merci. あのお仕事ローマさんのお仕事の中でエルメスに対しての思いってどんな感じなのかなって。Bah, déjà de faire du bon travail et du beau travail dans une très grosse entreprise comme Hermès qui fait des très belles choses, quels que soient les métiers, hein, que ce soit la soie, la selle, les sacs, qui me plaît en fait. C'est d'avoir aussi un petit peu de reconnaissance de ce qu'on fait. On sait quand c'est bien, on sait quand c'est mal. C'est très bien. あの日本の針でこう縫い方もそのエルメスの原点である蔵からこう派生してきて、そのカバンであるとか他のところにもそういった技術がそこにもつながってる、現代につながってるんだっていうのがなんか胸に残りましたね。Il faut transmettre aux gens les bonnes pratiques pour garder quand même des comme la maison Hermès le fait, garder des savoir-faire et ne pas les perdre, parce que sinon avec l'industrie d'aujourd'hui on pourrait vite perdre ce genre de pratiques d'artisanat surtout. Pour moi ce qui est important c'est vraiment l'artisanat et les belles matières, les beaux produits qu'on peut réaliser avec nos mains quoi. Voilà, c'est un peu comme toi je pense avec la terre et le feu quoi. Ça, ちょっと特殊なのが僕が作っ、なんだろう、職人でもありながら作家性も持っているもの、茶碗を作っているので、なんだろう。C'est vrai. Après, effectivement, toi, il y a beaucoup plus de création, de comment tu es libre. Tu es libre dans ce que tu fais. Et j'admire ça parce que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et même si nous, on est attaché au produit et à ce qu'on fait, effectivement, c'est très bien quoi, comme chose. Dans Paris ?今回エルメスの2人の職人さんにお会いして、お二人にやっぱ意識として共通してたのは、エルメスの最高のバッグやその蔵、そのレベルを一定に保つんだ、職人として一定に保つんだっていう、やっぱりお二人の意識というか思いがあって、お二人の仕事をしてる瞬間の彼らの目というか、仕事をしている時のやっぱりこう強い目を見てると、あ、早く帰って自分も仕事場に座りたいなって、改めて早く今は土を触りたいですね。僕自身例えば16代っていうのが襲名して、それにプレッシャーや何かがこう入って、やっぱり生み出さなきゃっていうなんか背負いというか、そっちの方が大きくなって、でも作家で自分自身の意思がこう入るのは幸せなことだねっていうふうなことを改めてそう言われた気づきというか、そうだ、もともとは創造って幸せなことだったんだっていうきっかけはそこだったのに、だんだんとなんか背負ってた自分がいて、楽しんでる時っておのずといい形ってできるんですよね。だからそういったことをなんか
話しててちらっと、あ、そうだ、幸せなことだ、だんだんみたいな、なんか気づきはありましたね。Un peu plus. Très bien. On se gâche. Tu t'en sors très bien. Donc c'est comme tu faisais avant, sauf que tu fais ça. La main là-bas, la main vers toi. Et ainsi de suite. C'est bien, ça vient.